On reprend donc l'aventure sur Hearthstone, on est dans Naxxramas, on continue la première aile, donc le quartier des Arachnides. Maxna est une araignée géante. c'est ridicule. Et donc on va battre le dernier boss du quartier des Arachnides, qui est donc Maxna. Pouvoir à 3 points de mana, qui renvoie donc un serviteur ennemi aléatoire dans la main de l'adversaire. C'est un pouvoir qui est quand même chiant. On va rester sur le chasseur. Parce que pour l'instant, il nous a été plutôt utile. Rexxar contre Maxna. Que la traque commence. Oh. Bonne pioche. Pioche intéressante. Bien le bonjour. Ce poison te tuera sans douleur. Ou presque. Ou presque. J'aime bien le ou presque. Donc la tisseuse toujours, premier tour. Alors là, si on l'a dès le début, faut la jouer direct. Mouais. On va pas faire le vifou. Hein. 2, bah tiens, on va allumer ça. Tant pis, on laisse un peu de répit à la tisseuse, mais ce n'est point grave. Elle nous a fait sauter le bouclier divin. Et on va continuer sur la lancée. On va mettre un petit camouflage. Aïe. Va falloir faire sauter le serpent par contre. Une provoque. Normalement, normalement, elle va m'attaquer avec le serpent. Alors, réflexion. Est-ce qu'on la laisse camoufler? Est-ce qu'on la monte à 5? Parce que là, elle va faire ça. Ouais, on va garder le camouflage pour le moment. Je pense que c'est le mieux à faire. Comment appelle-t-on un joueur dont le serviteur vient de se faire entoiler? Un condamné. C'est pas cool. C'est pas cool du tout. Parce qu'elle nous a donné en plus... elle nous a donné ça, bête. Pas très très fan. Bon, on remet la provoque, on lui met le gnome lépreux. Et il faut lui mettre des dégâts de toute façon. Ouf. Voilà, ça c'était prévu. Ça c'était un petit peu moins, mais c'était pour qu'elle lui donne apparemment la carte bête. Et... Ah bon? Ah d'accord. Pas contente le Maxna. Bête alliée 6. Bah, c'est une bête de toute manière. Les chiens sont de sang. Travail terminé. Autant lui mettre la provoque que le maître chien lui donne. Joli lion. Ah oh, oui, bah. Hop, on remet la grosse provoque. On réfléchit. On va mettre le secret, j'ai pas trop envie qu'elle invoque d'autres trucs. Et on va lui mettre le gnome. Petit coup de lag, c'est pas grave, ça arrive. Waouh. Adieu. Je n'ai pas approuvé cette carte. Attends, c'est quoi l'histoire? Oh, joli. Ah putain, joli, joli, joli. On fait du calcul, il y a 15 points à faire. 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11. On est à 11.
On peut gagner. On peut gagner de suite. On réfléchit. Quelle bête on va tuer? Lui, parce que lui nous fait chier de toute manière. Hop là, 3 points. Et 2. Et 3. Et 4. Et 2. Et là, il nous manque donc 1 point. Il nous reste 3 points de mana. On fait pas le tifou. On utilise le tir assuré. Adieu, Maxena. Car tout ça, encore mieux. Terminé, pauvre mortel. Voilà donc pour le quartier des Arachnides qui se termine. La prochaine fois, on se fait le quartier de la peste. Mais ça, c'est dans une prochaine vidéo qui va suivre sous peu. Voire qui est peut-être déjà là. Ah ah, qui sait. Allez, à la prochaine. Ciao.